Salut tout le monde, salut YouTube. Attendez, je vais baisser un peu le son. Voilà. Alors, RK Survival Evolved. Jeu actuellement à 17€ sur Steam. Moi, je l'ai eu gratuit parce qu'il fallait que je le télécharge avant une certaine date pour l'avoir gratuit. Donc, je l'ai eu gratos. Mais là, il est à 17 balles sur Steam. Jeu de survie où on se combat contre des dinosaures, où on peut les dresser, en faire des montures. On peut construire une base et basée sur le craft, sur la survie, avec de l'hydratation, de la soif, du froid, du chaud et du piquetti. Jeu PVP, PV, plusieurs joueurs, le multiplayer, partie locale. Donc voilà, il y a plusieurs modes de jeu. On va partir sur la partie locale parce qu'on va faire une découverte sur mon arène. Niveau du futur, on va le faire. Tour d'XP, on va le mettre à fond comme c'est une découverte, comme ça on pourra voir vraiment ce qu'on peut faire. Je vais supprimer ma partie que j'avais fait avant, c'était un test. Le jeu tourne à ultra, donc c'est plutôt bueno. Là c'est parti solo, on lance direct la partie solo. Donc découverte de 30 minutes à peu près. Voilà, voilà. On va créer aléatoire. On va créer complètement aléatoire. Aléatoire. Allez, voilà, on va partir sur ça. On va l'appeler humain, créer, c'est parti. On se prend pas la tête, c'est une découverte. Let's go. Ah, ça gratte, hein. Eh ouais, ça gratte. Allez, c'est parti. Donc, pour tous les jeux de survie, hein, comme d'hab, vous avez froid, réchauffez-vous. Ok. On va ramasser tout ce qui traîne directement. Voilà. On avait déjà gagné un XP niveau. De toute façon, ça va être rapide les niveaux d'XP vu que on ramasse toutes les pierres. Vu que je l'ai mis à fond, x3, donc ça va être très rapide. Mais t'as mieux, sensibilité un peu haute, mais je pense que je vais m'adapter. On peut jouer à la troisième personne en faisant ça, donc c'est plutôt cool. Et normalement, mon inventaire il est pas là. Ah, il faut passer à voilà. Ça marche pas. Je voulais passer à un QWERTY AZERTY. Comment ça marche? Attendez, je reviens de suite. Tac, tac, tac. Et oui, ZQSD, c'est bon. Courir, sauter, ça c'est fait. S'allonger, c'est d'accord. Ouvrir votre inventaire. Tab. C'était déjà tab, en fait. Je comprends pas pourquoi ça veut pas me l'ouvrir. Ben, normalement, c'est bon. On est bon. Reprendre. Tab. Ok. C'est que j'appuyais pas sur tab, en fait, je pense. Tac. On ramasse, on tabasse du bois un peu. Bon, beaucoup de branchage pour le coup. On va ramasser ça aussi. Donc on peut dresser les dinosaures en leur donnant à manger. Donc c'est plus ou moins long, ça dépend. Ça dépend. Donc on va essayer. Attendez, j'ai oublié de mettre juste le minuteur parce que j'ai tendance à scotcher sur ce genre de jeu. Et je veux pas que la vidéo dure 3h30. On va commencer à crafter un truc tout simplement. Donc on ramasse de l'XP au fur et à mesure. Là j'ai 3 points d'XP. On va se mettre en poids. Re-en poids et en vie. Non, résistance. Voilà, résistance. Donc on peut créer la pioche en pierre, la torche. On débloque le feu de camp, la hache en pierre et la lance en bois. Bon, on débloque tout ce qu'on peut débloquer tout simplement. Ok, ça on peut pas. Donc on va se mettre dans le truc de craft. Schéma. On va crafter ça parce qu'on peut. Ça il me manque quoi? Il me manque silex. Mais c'est pas grave parce qu'on a du coup ça. On va mettre un up. Et on va aller tabasse de la pierre. C'est parti. Tabasse de la pierre. Tabasse de la pierre. De la pierre. De la pierre. Là-bas. Donc voilà, il y a plusieurs sortes de dinosaures. Lui il me court dessus. Il commence à me faire flipper là. C'est pas qu'il m'attaque. Bon, c'est assez rapide pour trouver des ressources, donc c'est plutôt cool. Hop. Tac, tac, tac. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire ça. Ça, il me manque du bois. On va créer ça. Voilà. Celle-là, on la met en deux.
Ça, hop, on équipe. On a un pantalon, c'est plutôt cool. On va récupérer du bois. Voilà, ça récupère plus de bois avec. Si je tape avec la pioche, ça va récupérer beaucoup moins de bois. Donc si je tape avec la hache, ça va récupérer plus de bois. Je ne vais pas attaquer. On peut totalement attaquer. On le défonce à la hache. Vas-y, viens te battre. Ok, c'est bon. On va vite construire ça du coup. Fibre. Ah, il me faut la fibre. Donc pour la fibre, si je tape avec ça, normalement je récupère de la fibre. Pas du tout. Ça doit être du coup. Attends, viens te battre toi. Oh. Ah, d'accord, ok. What? J'ai pas compris. Il s'est passé quoi? J'ai ramassé un truc. Je l'ai totalement ramassé, on est d'accord. Je l'ai totalement ramassé, mais j'ai ramassé quoi? Je comprends pas. Ok, je sais pas ce que j'ai fait. On va créer ça. Faut que je récupère de la fibre. Bon, il est balèze lui. Ok, c'est bon, il est gentil, c'est cool. Donc pour récupérer de la fibre, ça va être comme ça. Yes. On ramasse la balle. Bon, il a fait une grosse crotte. Hop, du coup, on crée. Il nous manque quoi? Le pantalon là. On va créer le torse. Ça. Bon, la base, on verra ça plus tard. Je peux pas directement faire ça, non. Faut que je fasse ça. Équiper. Équiper, il nous manque pied, bouclier, mais. Il nous faut de la peau. Il va falloir qu'on tue une bestiole. On va mettre le feu de camp ici aussi. Tac. On va se baser dans le petit feu de camp. On va se mettre. On va se mettre là. On va se mettre là. Voilà. Et il faut que je crée très vite une lance. J'avais déjà oublié. Lance. Est-ce que je peux en créer plusieurs? Je peux en fabriquer deux. Eh bien, on va en fabriquer deux. Ok, let's go. Bon, il nous faut de la peau, donc ben, on va killer. Hein. Ils sont trois. Oh, ils attaquent le dodo. On essaye, on tente. C'est très chiant ça que ça me fait ça. J'ai cassé mes lances. Il prend sa couleur, je mange rien. Waouh! Ok, c'est bon, il fuit. Il fuit, je suis empoisonné. Ok, ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On va récupérer la viande. Ah, il a peur, hein. J'ai démonté sa gueule. Niveau vie, je suis comment là? Hop, on va augmenter la vie, hein, du coup. On va augmenter la vie, on va débloquer tout ce qu'on peut débloquer. Voilà. Et on va se faire agrailler. On va se faire agrailler. Bah, du coup, je vais récupérer un peu de bois. C'est moi qui viens de chier ou... Je crois que oui. Ah, c'est moi qui viens de chier. Ok. Ah, là, je suis trop chargé, du coup. Accéder à l'inventaire. On va mettre les carottes de bois. Non, on va pas mettre les carottes de bois. Si, on va mettre les seins de bois, du coup. Tac. On va faire chauffer les 18 viandes. On allume. Et qu'est-ce qu'on peut se créer, du coup? Ça. Il nous manque de la fibre. On ira ramasser la fibre. Niveau bonhomme, il me manque quoi? Je sais plus. Attendez, il faut que j'aille là plutôt pour voir.
Il me manque bouclier, même pied. Ok. Donc, ça, on va le faire. On va faire ça. On peut pas parce qu'il manque de la fibre. On va ramasser de la fibre. On va ramasser de la fibre. Je sais pas ce qui me rapporte le plus de fibres en fait. Ça peut-être. 12 fibres. J'en ai 29, 40, 48, 53, 57, 64. Ok, là j'ai pas mal de fibres, c'est plutôt cool là. Du coup, on a dit ça. Et il nous manque les pieds. Ils sont où les pieds? Où qui sont les pieds? Ils sont là. Voilà, comme ça. Elle est full équipée, c'est plutôt cool là. Voilà. On va créer la gourde. Est-ce qu'on peut créer la gourde? Oui, on peut créer la gourde. Et on va voir la bouffe. On va mettre la gourde ici. On va aller la remplir. Je pense que ça marche comme ça. Ok, vous allez pouvoir réchauffer. C'est pas un problème. Il y a le feu ici. Accès à l'inventaire. Et on a la viande. Donc c'est plutôt cool. On va la mettre là. Comme ça, si je fais ça, tu manges. Et je peux pas boire directement. Ok, ça me... Ok. Voilà, comme ça. On augmente le poids encore un peu. On peut créer ça. Et pas ça. Ok. Donc, il faut que je fasse des lances. Il faut que je fasse un bal de lance. Pour bien aller. Ça... Je peux en créer combien là? 5 fabriquer. Et est-ce que ça me les remet là? Non, pas du tout. Inventaire, lance, tac. Est-ce que je peux équiper ça du coup? Yes, il m'attaque. Dans ta gueule. Dans ta gueule le one shot. On ramasse. Non mais oh. Quoi ce bordel là? J'ai 10 viandes, on va les mettre dans le feu, comme ça c'est fait. On va les mettre là. Voilà, comme ça ça fait cuire un max. On récupère la viande qui cuit. On va récupérer le charbon. Et on va se créer une caisse. J'ai vu qu'il y avait une caisse là. Caisse. Fibre, bois. Ok, on va récupérer le bois. J'avais déjà tapé. Ok, les ingrédients pourris. Assez rapidement d'ailleurs. Parce que si je veux nourrir les animaux, genre s'ils doivent manger ça, je mets ça ici. Un dernier emplacement. Comme ça, ils peuvent manger. Je vais vous montrer. Je veux juste créer une caisse histoire de pas jeter les trucs, même si c'est une découverte et que je m'en fous, mais comme ça, ça me fait un genre de truc. Dans ça, on fera l'espèce sur plusieurs épisodes, hein, parce que sur un épisode de 30 minutes, j'ai clairement pas le temps de tout vous montrer. Donc, schéma, la caisse, on peut la créer, c'est cool. Et on va se la poser à côté du feu. Poids, on augmente le poids. Très important, on débloque ça, on débloque ça, on débloque ça, on débloque ça. Hop, du coup la caisse attaque, on va la mettre là, et c'est celui-ci, non c'est celui-ci. Ouais, vas-y, on pose ça n'importe comment, on s'en fout. Et on va mettre ça, on va mettre la nourriture. Le truc d'opération c'est là, périm dans 5 minutes, et si je le mets là, périm dans 5 minutes, pareil, ça change pas beaucoup. Donc on va juste vider les trucs, je sais pas trop à quoi ça sert pour l'instant. On va garder les fruits rouges, le bois on va le garder, le charbon je m'en fous, les lunettes ça dégage, ça on n'a pas besoin pour l'instant, ça on peut je crois l'équiper ici comme ça on a une meilleure hache, ça j'ai dit qu'on pouvait pas. Ok, on est pas mal.
on est pas mal, comme ça on a une meilleure hache. Ouais, on a clairement une meilleure hache. Et on a 4 lances, qui est pas du tout assez. Voilà, on fabrique 5. Comme ça, ça me met. Mange. Mange. Est-ce que t'as soif? T'as pas soif, mais tu vas quand même boire. Ok, ça me met directement dans l'inventaire, donc c'est plutôt cool. Allez, on va essayer de dresser un animal. Alors ça c'est... Attends, pardon, désolé. Ok, quand je mute le micro, ça me baisse le personnage. C'est pas grave, c'est un détail. Donc, ça, ça me donne du loot. Ouverture niveau, niveau 25, d'accord. Je suis niveau combien? Je suis niveau combien? C'est pas ici, c'est où le niveau? Niveau 10. On va augmenter le poids. Très important d'augmenter le poids, je pense. Ok. On va essayer de dresser un animal. On va aller voir lui, si on peut. Tac, tac, tac. M'attaque pas, hein, t'es mignon. Ok, a priori, il veut pas manger. Lui, il m'attaque. Ok, il est bizarre. Il est bizarre, il est bizarre. On va laisser tranquille. On va aller voir de l'autre côté. Si j'arrive à grimper. Y'a pas. Je vais péter une jambe. Au lit, on peut pas, j'avais déjà essayé. On va aller voir les gros là. Ça, est-ce qu'on peut ça? On peut pas. Oh, ils ont un petit cœur, ils sont en couple, trop mignon. Ça, ça va m'attaquer, ça, on est d'accord? Ça a une tête qui attaque, ça? Non, c'est pas une tête qui attaque. Mais comment je fais pour donner à manger à toi? Parce qu'en fait, je crois que c'est la nourriture que j'ai sur moi. Ah, mais à moins qu'il mange de la viande. On va essayer la viande pour voir. Ben ouais, soit manger de la... Non, pars pas, pars pas, pars pas. Vas-y, atterris là. Voilà. Bon, tu veux pas, c'est pas grave. Toi, tu manges de la viande, toi? Ouais, il mange mort, lui. Il mange totalement mort. Bon, bon, moi, c'est qu'il mange de la viande. Cours! Ok, c'est bon, il marche. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est le dernier emplacement qui fait ce qu'il mange en fait. On va aller voir lui là-bas. Cavale, 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 cavale. Est-ce que tu manges la viande? Arrêtez-vous un instant pour gagner votre énergie. Ouais, il faut que je remonte un peu l'énergie parce que c'est compliqué. Tu manges pas ça. Putain, mais tu manges quoi toi? Tu manges pas ça non plus. Ben ouais, mais non. Est-ce qu'on peut augmenter l'énergie? J'ai pas de poids. What? Ok, tout va bien. Tiens, mange. Bon, mange. Voilà. Avant que ça périme, a priori ça périme très vite. Voilà. Toi tu m'attaques. Waouh, comment tu veux donner un nom? On va l'appeler Bob. Accepte. Mais je l'ai tué en fait. Non, je l'ai pas tué, il est venu vers moi. Attends. D'accord. Donc si j'y mets ça, il va manger. Ça c'est la moi. Ça c'est lui. Donc est-ce qu'il mange de la viande? Viens moi. Suis-moi. Je vais te filer de la viande.
Lui, il peut manger, lui, bébé. De la nourriture, voilà. Au dernier emplacement. Ok. Au dernier emplacement. Donc, il faut que je lui donne. Attends, je vais ici. Accéder à l'inventaire. Tac. Est-ce que je peux diviser ça en deux? C'est passé quoi là? J'ai perdu ma nourriture. J'ai totalement perdu ma nourriture. C'est pas grave, on va choper vite fait. Il me faut de la rouge. Ok. Alors je crois qu'il mange la rouge. Donc. Je comprends pas tout là. Il y a un truc que je comprends pas. Ah, ça me l'a repris pas, j'avais pas vu. Donc là, je peux donner à manger. Oui, je peux donner à manger. Je sais pas comment on l'appelle. On va l'appeler. Rex. On va l'appeler Rex. Accepté. Voilà, tu t'appelles Rex. Donc Rex, E pour monter. Sauf que je peux accéder à son inventaire. Et j'y mets la nourriture. Comme ça, il va manger tout seul. Voilà, là, il mange. Et là, on le met. Trop stylé. Trop stylé. Waouh, le poisson est énorme. Oh, mais j'ai. Ah, ouais, d'accord, ok. Bah, je te gêne pas, toi. Donc, j'en ai un sur moi. Et l'autre ici. Ah, c'est trop bien. On va retourner au feu. Bob niveau 12 qui me suit. En fait, il va me protéger. Ça va être mon protecteur. Et Rex, ben. Je sais pas ce qu'il fait encore. Je sais pas trop ce qu'il fait. Là, il est fatigué. Est-ce qu'on peut y augmenter ce mandat? Ça. Ça. Tac, accès à l'inventaire. Créature. Ok, énergie, oxygène, rituel. On peut l'augmenter, oui. Donc c'est cool. Il suffit de bien se gérer en fait. Hop, on va remettre de la garde ici. Et est-ce que t'as soif? Est-ce que t'as faim? T'as un peu faim. T'as un peu faim. T'as bu. Ok. Ah, donc c'est plutôt cool. On a un dino. Ça déchire. Ça déchire. Est-ce que j'avais quoi là-dedans? J'avais pas de la rouge. Non, j'ai pas de la rouge. Et est-ce que je peux y mettre ça du coup? Celle-là. Ça marche pas. Mais j'ai vu que je pouvais crafter une selle. Attendez. Elle est où la selle? Ça c'est une armure. C'est une armure. Et je peux pas créer une selle. Mais je crois que c'est ça en fait. À équiper sur un Fioma. Pour pouvoir le monter. Ok, ça va être des trucs qui volent ça à tous les coups. Parce que ça c'est pas du tout un Fioma ça. En train de suivre l'humain. Ok, et j'en ai un sur moi du coup. Trop stylé. Trop bien, j'adore. J'adore, j'adore. Ça déboîte. On va construire une petite base histoire de voir comment ça marche. Du coup, comment ça marche la base? Est-ce qu'il faut faire des fondations? Porte. Structure. C'est dommage qu'il marque les trucs dessus là. Ça cache un peu en fait. C'est un peu dommage. Voilà, c'est là les fondations. Fondation chaume. C'est ça qu'il faut que je fasse. Et il me faut beaucoup de bois. Beaucoup de bois. Et bien on va choper du bois. Pas de problème. Ah
Ok, en fait, ils m'attaquent, mais quand tu les calmes... Je comprends pas trop, là, le... Ouais, faut que j'arrête, parce que, voilà, je suis trop chargé. Du coup, tac, 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 ça, fondation. On va en faire 3, parce qu'on peut en faire que 3. Faut que je fasse, c'est quoi ça? C'est mur. Il me manque branchage. Il me manque des branchages. Ouais, je suis trop chargé. On va commencer à poser les on va mettre ça là et ça là. Voilà. On va commencer à poser les trucs. Donc comment ça marche si je fais ça? Ok, ça, ça va bloquer la caisse. Voilà. Et si je veux les murs? Ok. Ok, c'est plutôt stylé en vrai. C'est plutôt stylé. Il me faudrait une autre fondation. Il me faut branchage. Pour le branchage, comment ça se récupère? Attaque, on va augmenter l'attaque et la vitesse. Branchage, comment ça marche si je fais ça? Ça marche pas. Ça, est-ce que ça me donne des branchages? Ça donne pas beaucoup de branchages. Mais si je fais ça, voilà, avec ça, j'arrive à faire des branchages. Yark. Ça chie partout, c'est un truc de malade. Du coup, fondation, c'était où? J'ai regardé les fondations, super, comme j'ai débloqué d'autres trucs. Et B fondation, on en fait une. On va faire une porte aussi, c'est bien. Cadre de porte, on va faire une. On va faire la porte du coup. On peut pas faire la porte. Si, ça fait la porte. Et on va faire des murs. Ils sont où les murs? Là, on va faire un. Voilà. Donc on va les poser. Allez, ah. Je suis trop chargé. Jette. Je peux pas avancer. Jette. Ok, tac tac tac, c'était cette touche là, hop, on met ça, et là on met ça, 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 ouais, on va se mettre la porte ici, tac, et on se remet les murs ici, 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 ok, la porte, ça serait pas mal qu'on mette une porte, voilà, la porte elle est là. Oups. La porte. Ok. Nickel. Sors de là, toi. Ok, nickel. Je vais dégager là. On va ramasser le bois. Ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous. Bon, remarque le bois. Et on peut le récupérer très vite. Bon, hop, on ramasse. Le toit. Le toit, le toit. Comme ça, on voit un peu comment ça se marche. Le toit. Ok, alors, branchage, il me manque. Tac. D'accord. Attends, comment ça marche ça? Ah, j'ai fait un pignon en fait. Ah, c'est ça, ouais. Je vais faire un tac-tac. Ok. Au pire, je ramasserai en off les ressources. Je ramasserai en off les ressources. Comme ça, on pourra aller ce qu'on peut crafter. On va augmenter le poids. Torche, longue vue. Oh, la massue.
Drapeau. On peut faire la massue. Est-ce qu'elle fait mal la massue? Schéma. Massue. Un cri direct. Périple d'un 2 minutes. Ça périple très vite. On va mettre la massue ici. La massue en 4. Quoi? Attends. Mais quoi? Je veux pas que ça me l'attrape. Ah, j'ai mis le schéma ici. Ok. Ous. Ah, la tête de con qu'il a, lui. Allez. Attends, on va essayer d'éclater un dodo, là. Voilà, ma suce, elle fait mal. Faut faire des tests, hein. C'est une découverte, on fait des tests. Alors, toi, je suis quasiment sûr que tu manges de la viande, du coup. On va essayer. On va essayer. Ça serait bien qu'on dresse un gros truc aussi. Non. Ah, il le lâche pas, hein. Il le lâche pas. Viens ici, le dodo. Si tu viens, je t'aide. Ça, toi? Il s'est noyé, l'autre. Il est là. Je le laisse tranquille. J'avais oublié qu'il crachait du sang. Attaque toi. En fait, je crois que c'est les dinos que j'ai là. T'es dans ta gueule. Wouah, il allait me jeter son truc. Il allait clairement me jeter son truc. Wow. Tu m'aides pas trop toi en fait, hein. Ouais, mais du coup, ce qui me dérange en fait. Ce qui me dérange, c'est que le truc il s'est barré. Il s'est totalement barré. Le loot. Parce qu'en fait, c'était un loot. Mais bon. Pas très grave. Comme ça, on commence à avoir notre petite base. On a des petits dinosaures à nous. Et voilà. Trop bien. Trop bien, trop bien. Elle est énorme, la lance. Bon, et bien voilà. Allez, on va s'arrêter là. Et on verra, on fera un épisode 2 sur la découverte, comme ça le temps qu'on découvre un peu tout. Allez, on s'arrête là. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Allez, dis au revoir, Rex. Ciao, ciao.